Dabanzou qui peut venir, nous peut envoyer le Premier ministre une lettre pour faire part de sa situation et qui, pour nous, n'a pas normal du tout que la situation reste inchangée et nous, par contre, reste les bras croisés. Si même Bizin Al dénonce devant l'ambassade de France, nous n'avons pas pris aucune hésitation. Nous réclamons révocation immédiate du chef exécutif sans réserve parce que manière qui nous gagne l'information, manière témoigner et aujourd'hui de démontrer clairement que le travailleur n'a pas de travail dans la sécurité. Et parce qu'il peut dire, il n'a encore 6 ans, pas de travail que nous, qui a 13 ans, 11 ans, 12 ans, qui peut faire ça avec eux. Mais qui, moi, je dis, c'est pour lever la voix. Je vous causer, je vous parle que ça m'a petit village qui passe là-dedans. Et d'ailleurs, mon petit village, une parcelle de pépère pour causer, pour dire, pour raconter. Et là, il n'y a pas de bon safety, non, rien pour personne, pas de travail. Tout ce qui nous a à dire, tout ce qui nous pèse, comme dit, causer, comment tout ça là, puis aller dans le vide, ça. Au moins, aujourd'hui, nous avons l'occasion de venir là, on espère qu'il va dire, pour un éclaircissement de sa bonne affaire là. Parce qu'il n'y a pas quand nous pouvons causer, comme dit, causer tout ça là, tout ça, puis n'y a aucun safety, tout ce qui peut faire ou faire, bon, pas bon, ou bien, là-dedans même. Les dimanches pour payer nous normal. Oui, nous travaillons 4 dimanches, payer nous. Tout le monde travaille 4 dimanches, ça va. Ils disent pour payer nous juste les dimanches. C'est samedi, dimanche qui vient travailler pour overtime. Mais NCF n'a droit de dire moi ça. Comme quoi, je travaille dans le hostel, dans mon nom. Sorry, elle passe, on ne pas connaître qui vous fait. Quand on me dit que c'est comme ça, on a dit mal, il est mal à l'aise, il pas quitté. Ça, quand on est sur moi, tu as fait dire qui vous fait. Pour plus de vidéos, cliquez sur like. Abonnez-vous en cliquant sur subscribe. Et activez la cloche de notification pour rester informé.